Bien bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fringui. Aujourd'hui on est un peu dans le Galactic Survival d'Empyrion. Et écoutez, on va voir qu'est-ce qui se passe avec Fringuette. Tout de suite, allez, on fonce. Ok les petits loupios, on y est, on est de retour. Alors on va aller directement. On va partir en vadrouille. On va partir en vadrouille. Alors, nous sommes à Galit. Galit, on peut aller à Kefen. Maintenant on y est déjà allé. De Kefen à Arigopal, c'est beaucoup trop loin, donc on va aller à Garak. On espère qu'on ait des trucs intéressants, parce qu'on l'a pas visité celle-là encore, pour avoir de nouvelles ressources. Donc, on lâche le frein, on met les gaz. Bon, j'espère qu'on a assez dans le réservoir. Et on est parti. Youhou! C'est plus long, hein. C'est plus long. Avec la mise à jour, c'est quand même encore un peu plus long. Pour le, j'ai fini de peindre, j'ai fait un blueprint, nickel. J'ai un shop là-bas, comme vous pouvez voir. Mais j'ai pas grand-chose à vendre. On va aller au shop. On va aller au shop. Première chose. Alors, on met les gaz. On va direction du shop. Il est où? On est dans la bonne direction. On est bon. On va voir ce qu'il y a d'intéressant en attendant de planer. Il doit y avoir quelque chose dans les astéroïdes, certainement. Et à peu près les mêmes ressources que... Non, cuivre prométhium. Bon, d'accord. Là, on n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. On n'en sait rien du tout. Est-ce qu'il y a une lune dans le coin? Il n'y a pas de lune dans le coin, d'accord. On va aller voir au shop pour voir ce qu'on peut faire d'intéressant, ce qu'on peut acheter au shop. Je sais pas, parce qu'on n'a rien à vendre. J'ai tout ramené déjà. Allez, on oublie le shop. On va direct sur notre planète tout de suite d'abord. D'abord tout de suite. Voir les ressources qu'il y a. Donc là, pour l'instant, ici, il n'y a que du cuivre et du prométhium dans les astéroïdes. Donc c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. On va aller dans la montagne. On va aller vers la montagne. Plein de gaz. Bon, la coque est un peu plus solide, j'ai l'impression, mais... C'est pas à 100% sûr, hein, donc on va éviter les bases. C'est pas fait pour ça, celui-là, hein, franchement. Il est vraiment pas fait pour. Hein. Ça serait bien qu'on puisse récolter un peu de trucs intéressants pour pouvoir vraiment pouvoir sortir notre blueprint de vaisseau mère. Hein. Donc là, il y a des trucs intéressants. Il y a déjà une base là-bas en bas, il me semble. Une base. C'était au loin. Ouais, crash cockpit, ok, on s'en fout. On va essayer de voir déjà ce qu'il y a d'intéressant dans le coin, et puis on va voir qu'est-ce qu'il y a comme ressources sur cette planète que nous n'avons pas à disposition encore sur celle qu'on a déjà. La planète des neiges, j'ai posé des automineurs aussi. Néodysium, bon ça, j'en ai déjà en cours. Ça me semble pas ces petites planètes. Il y a un drone là-bas, donc s'il y a un drone, c'est qu'il y a quelque chose. Donc on va faire aller le drone. Et on va se poser récupérer son petit loot. Et puis on va voir qu'est-ce qu'il y a intéressant sur... Bon, ça n'a pas de grande portée, les mitrailleuses. 319. 319 mètres. Et on va voir ce qu'il y a d'intéressant. Bah, le frein, il est pas violent. Là c'est du prométhium, ok, bon, ça c'est... Pour l'instant je suis pas trop en rage, j'ai mis des mineurs sur... sur notre planète à nous. Pour rester en planant, on va aller récupérer ça. Ça c'est bien, on n'a même pas besoin de s'opposer, puis on est à l'abri des méchants. Regardez un peu autour. Pas de bestioles à disposer, pas de bestioles méchantes, des cactus. Dommage qu'on peut pas récupérer 2-3 plantes pour les ramener chez nous, c'est dommage. Ah, les petites bébêtes là. Et puis, ils sont pas méchants ceux-là, ils sont tout gentils. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Donc là, on a du néodysium, du prométhium, et qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant là-dessus? Je crois qu'elle est pas très intéressante cette planète, parce qu'on a déjà tout ce qu'on a, on a déjà ça sur d'autres. Fer, on a de toute façon cuivre aussi. Néodysium, je l'ai sur l'autre planète blanche, qui est plus près. Cobalt, j'ai sur la Lune chez moi. Prométhium on a, et du satium on a aussi, ouais, sur la planète blanche, tout à fait.
Si je me trompe pas, hein, il suffit de regarder. Si on n'est pas sûr, on dit on retourne, on fait tac. Donc, on va cliquer sur notre planète Kefen. Là, ça nous dit ouais, Satium, Prométhium, Cobalt, Néodymium. Donc, c'est exactement la même planète que l'autre qui est plus proche. Donc, on va essayer de sauter directement sur l'autre là-bas. On va pas rester là, ça sert à rien. On cherche vraiment des sources qu'on n'a pas. Poser du minage, des auto-mineurs, et ici il devrait avoir un shop. Bon, normalement, s'il est dans l'espace, c'est qu'il n'est pas sur la planète. Mais on regarde quand même. Si, il y en a un autre. Bah bon, on n'est pas là pour faire du shop, donc on va repartir direct. On met les gaz direct en haut. On part sur l'autre planète. Ici, il y en aura une autre fois, on s'occupera. On a vraiment besoin d'autres sources. On a quasi tout, il nous manque juste l'érythrium, le vert, le zirconium, le rouge. C'est celles qui sont les plus souvent les ressources qui sont les plus loin de chez nous. Donc j'ai une petite réserve d'intaxil, mais je suis pas sûr d'en avoir assez pour faire tout le système solaire, ça c'est sûr. Donc vu qu'on a là, on va aller direct là-bas. C'est pas trop loin, à 11. Par contre, il va falloir qu'on recharge. Sinon, on n'aura pas assez. De toute façon, ouais, on a que pour 4. Donc j'en ai pas sur moi. C'est bien ce que je me disais. Donc on va freiner, on va s'arrêter, je vais prendre dans le stock et on va recharger les batteries. Freiner un peu. Bon, les freins, les propulseurs avant, il y en a que deux, donc c'est normal que ça soit lent à ralentir, ça soit lent comme ça pour avancer, pour freiner, quoi. Donc on est prêt. Par contre, dans cette vue-là, moi j'aime pas trop quand je suis en personnage. Ça, on pourra mettre ça, c'est le propulseur à distorsion qui nous fait grésiller. Donc là, on en a pris que ouais, j'en avais quand même. Putain, mais je suis bête. Quel bobé, sérieux, j'ai pas vu que ça. Par contre, je vais laisser là, ça aussi. Ça, je vais me garder, je vais le balancer dans le blueprint direct d'abord, tout de suite là. Usine, s'il vous plaît. Usine, voilà. Il est où mon machin? Il est dans la barre de tâches. Dans la barre de tâches, on peut pas le. Sinon, il y est. Pourquoi ça marche pas? Je l'ai? Ah oui, il est là. Pouf, il est passé. Ouais, comme vous pouvez voir, bon, le cuivre, journée, c'est pas un problème. Cobalt. C'est pas compliqué non plus. Zirconium, c'est autre chose. L'érythrium aussi. Après, le reste, c'est du flanc. Hein. C'est du petit bonheur. Hein. Qu'on a ça, on peut gratter tout ce qu'on veut. Donc on va recharger, on va remettre ça dans le carbone, on va mettre du carburant, on va rentrer dans le cockpit, on va remettre, on remplit ça, on remet la vue, on désactive le frein, on se dirige à peu près dans la direction prévue. Je sais même pas, j'espère qu'il y aura quelque chose, au moins peut-être l'érythrium. L'érythrium, il y a sur il peut y avoir sur deux planètes différentes. Le zirconium, c'est uniquement sur une. La plus loin, bien sûr, la plus loin. Donc là, on est sur des astéroïdes, tranquille. Il y a un shop aussi, toujours pas loin. Mais bon, on va pas faire de trade aujourd'hui. Hein. On a un shop pas loin, ok, pas de soucis. Qu'est-ce qu'on a? Du satium, du pentaxium. Bon, le satium, on a déjà trois planètes. Silicium, on en a aussi, bon, du pentaxium. C'est donc dans les astéroïdes, hein. Si on tombe dessus, on tombe dessus. Mais c'est pas la mission du jour, les amis. Regardez autour s'il y a quelque chose. Je vais mettre un peu plus de patates. Et on va voir s'il y a. Si on voit des astéroïdes, c'est bien, on peut faire le tour du vaisseau. On peut voir s'il y a des bouts qui manquent. On peut voir s'il y a des ennemis. On peut voir plein de choses. On va voir les astéroïdes. Mais là, vu que c'est pas un anneau, c'est un champ, il y en a un peu partout. Sur les ressources, les astéroïdes qui a des ressources, faut tomber dessus quoi. Donc, on va aller voir ce qu'il y a d'intéressant là-bas. On va voir ce qu'il y a d'intéressant là-dessus. Je dirais qu'il devrait avoir de l'érythrium, ça c'est sûr. C'est pareil pour les planètes.
Y a qu'une planète où il y a de l'or aussi, hein. Bon, l'or c'est inutile pour crafter. On peut pas crafter avec de l'or. Il y a uniquement des pièces pour de l'argent. On a de l'érythrium. C'est bien comme d'hab, quoi. Comme d'hab. Et en plus, on tombe sur un gisement juste là. Très grand, en plus, on va freiner parce qu'on va s'éclater. On va se faire celui-là au vol. Youp là! Et voilà, quand on sait pas conduire, on se plante. Celle-là, cette planète, j'aime bien, elles sont jolies. Elles sont un peu dévastées, mais elles sont jolies. Il y a deux grands gisements, l'un à côté de l'autre. Donc là, on est tombé juste bien, bien nickel chrome où il fallait. On va faire celui-ci aussi. Et ça, vu que c'est des gisements qui sont chiants. C'est pas des gisements qui sont chiants, c'est des gisements. C'est des planètes lointaines, on va mettre deux auto-mineurs sur l'érythrium parce que les autres, on n'en a pas besoin. Alors, faut que je fasse gaffe parce que j'ai entendu un méchant. Un méchant qui est pas loin. Est-ce que je vais le voir d'ici? Vous avez pas entendu? Moi, je l'ai entendu un grognement. Il est là-bas. C'est les fameux follow aliens là. Les fameux follow aliens là. Regardez. Vous allez vous en rappeler. Ah, mais là on voit pas comme ça. Assassin alien, voilà. Et lui, il a même pas besoin de vous tuer. Il a juste besoin de vous toucher, puis c'est bon pour lui. Hein. Oups. Ouais, par contre, lui, il m'a vu. Ah, je peux pas passer sous le vaisseau, bon, mais reste là. Il est où? T'es là. Voilà, attends, t'es mort. Par trois, faut que je me méfie. Il n'y a pas de risque, on va poser le vaisseau. Paf paf. Carrément dans la broussaille. Ah, il faut pas que j'arrête tout, autrement ça va me... Ah non, c'est bon. Récupérer les loot de ces méchants. Si je me suis pas posé dessus, bien entendu. Ils sont moches, hein. C'est quand même moche, ces messieurs. Il est où l'autre? Et où? On sort pour récolter, on récolte un. On va récolter le maximum, on va pouvoir faire des trucs avec. On va pouvoir faire des plantes. Et où l'autre? Il est où mon vaisseau? Il est là? Je l'ai flingué, il était par là. Ah, il est là-bas. Je vais recharger ça, celui-là il est tout neuf, faut que je recharge aussi. Ok, bon, ces petites plantes, on ne va pas les récolter. On peut les tronçonner, je crois. Je crois qu'on peut les tronçonner, par contre, ça. Est-ce que j'ai de... Oui, si, j'ai du carbu. Les arbres d'ici, je crois. Ouais, c'est les arbres d'ici. Alors. Trêve de bavardage, il y a pas mal de ressources dans le coin, là. Il y a plein de trucs rouges, bon, ça, on ne peut pas le récolter. On peut le couper. Ça nous donne rien. Alors, on a un gisement d'érythrium. Où ça? Là, juste devant? Non. Est-ce qu'on est dessus? On est carrément dessus, donc il va falloir qu'on... Il est juste... Non, on n'est pas tant dessus que ça. Donc on va se prendre des automineurs. J'ai encore les anciens. Ça, c'est un V3. Ça, c'est un V2. On va prendre un V2. Un V2, j'ai un V1, j'ai encore des V1 qui traînaient là. Prendre du carbu pour mettre dedans, bien sûr. J'espère que j'ai pris du carbu, hein, parce que... Oui, on a pris du carbu. Ça c'est bon pour se retrouver comme un con encore à faire du blablatage. Et puis, on n'a pas de carbu pour mettre dans nos machines. Ça je vais le foutre là, ça aussi. Mettre dans le constructeur avec un peu de bois. Je vais le foutre là, c'est la mune. On va poser notre mineur V2 ici. Alors, c'est par là. C'est pas la verticale, on reste à peu près bien dans le bon sens. Donc c'est deux grands. C'est deux grands. Hein. Taille grand, ouais, donc c'est les mêmes. Donc
on en met le 1 là, puis le 2 on foutra sur l'autre. C'est pas un blême. On va mettre ça. D'ailleurs on va peut-être même mettre les autres parce que ceux-là ils sont autant de capacité de. Bon il y a que deux, ouais. Il y a que deux emplacements dans ces mineurs là, donc servir. Faut pas aller servir. Alors que plus les automineurs sont évolués, plus il peut avoir de stock de minage. C'est pour ça que le V2 et le V3 c'est l'un c'est les meilleurs, même le V3 c'est celui qui quand vous venez récolter vos mineurs V3, je peux vous dire c'est la fête à la merguez. Là il y a du loot, il y a du stock là, c'est quelque chose. Oups. Ah bah il y en a un là, tiens, coucou garçon. Il est où ton collègue? Je suis sûr qu'il y a un collègue, c'est obligé, il y a toujours deux. Non? Ouais, il est là-bas au fond. Est-ce que je vais le toucher différemment? Je suis pas sûr. Boum, boum, t'es mort, t'es pas mort, t'es mort, t'es pas mort. Oh, j'ai pété quelque chose par contre. Ah bah il est mort, bah oui, ça y est. Il a succombé à la douleur. Ah, il y en a un autre là. Celui-là, je vais me le faire au flingue. Je vais me le faire au flingue, moi, celui-là. Ah, ils sont nombreux ici. Il y a un drone. Est-ce qu'il vient par là? Je sais pas s'il vient par là, le drone. Ah, c'est mal fréquenté par là, je vous le dis, les amis. Hein. Tu sais pas d'où je tire. Hein. Ah, c'est un champignon que j'ai fait éclater. Ok, alors, on va looter nos petits camarades là. Faire gaffe aux drones qui se promènent. Je compte sur certaines planètes. Et je crois certainement celle-ci. Il y a des drones qui se promènent, mais il y a aussi beaucoup plus gros vaisseaux. Il y en a un ou deux, je crois, c'est tout. Donc, je vous déconseille de vous en approcher, ça évitera pas mal de soucis. Pour votre carlingue, quoi. Bon, où est l'érythrée? Où est mon gisement? Ah, il est là. Donc ça, on va les pointer après direct sur la map. Pour comme ça, quand on arrive, on tombe dessus direct. Bon, si on arrive... la planète d'avant, ça sera la même trajectoire, donc ça sera tip top, on tombera direct dessus. Celui-là on va mettre ça parce que là comme vous pouvez voir il y a 4 emplacements. Putain, le V3 c'est un char d'assaut celui-là. 4 emplacements, je crois qu'il y a plus que ça, mais hein, il peut prendre 900, hein. 900 par emplacement, 999. Donc on est pas mal hein, ici pour cette planète là, je crois que on est pas mal. Pas mal du tout. On va charger notre sulfateuse et on va aller voir ce truc qui est au nord. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire parce que là on a de toute façon pas toutes les ressources qu'on a besoin. Old farm, ok. Pas toutes les ressources qu'on a besoin sur le coup. On va recréer des arconiums. Les arconiums, bah il y en a pas ici. Et où la old farm? Je viens de la louper. Pour aller bien acheter des trucs. J'ai enlevé le frein. L'érythrium encore. Ah bon, ça c'est sûr. J'ai mis gisement. Hein. Beaucoup de gisements. Bon, sur notre planète c'est le désespoir, mais il y en a sur certaines planètes. C'est bingo. Hein. Ah, on est déjà près du pôle nord déjà. Cuivre aussi. Bon là ça devient des très grands du gisement, donc quelquefois c'est bien hein. Sur notre planète c'est des tout petits gisements tout pourris, donc c'est presque bien quelquefois d'avoir des... Qu'est-ce que c'est ça? J'ai vu un truc un peu bizarre hein. Excusez mais j'ai vu un truc vert et rouge apesanteur, je crois que c'était un truc bizarre, un nouveau truc, on va dire ça comme ça. Il y a plein de mises, il y a eu des mises à jour, ouais, il y a eu tous les jours, à chaque fois que j'allume mon pion, il met à jour,
mets des trucs à jour, donc j'essaie de voir qu'est-ce que c'est. Magnésium. Magnésium, c'est intéressant. Magnésium, on a toujours... On donne de la poudre de magnésium. En plus, ça a l'air d'être un grand, certainement, peut-être. Donc, on va essayer de se poser sans casser quoi que ce soit. On regarde s'il n'y a pas du méchant dans le coin. J'aime bien cette planète, elle est... C'est une luxuriance, je m'excuse. Vraiment marron, comme planète. Elle est jolie, j'aime bien. Alors, on sort les pétards, hein, pas de risque. N'importe quoi peut nous sauter dessus dans les broussailles. Dans les broussailles. Et ouais, moyen. C'est pas grave, on va quand même mettre un auto mineur. D'habitude je fais pas, mais. Là sur le coup le magnésium. En plus c'est pas loin des autres. Des autres auto mineurs, on est dans un bon coin pour le minage. Donc je pose mes trucs. Puis quand on revient, on a juste à venir récolter, puis c'est la fête. J'ai des auto mineurs. Là par contre, là ceux-là, c'est vraiment le. C'est vraiment les derniers, j'en ai plus du tout maintenant. J'aime plus, c'est des noyaux, j'en ai encore d'ailleurs. Il faudra que je pense à soit attaquer une base, soit aller en acheter au shop. Et pour aller acheter au shop, faudrait que j'ai mes cartes bleues et je les ai pas récupérées. Je suis parti pour le minage, je suis pas parti pour faire du trade en fait sur le coup. Donc on pourra peut-être se retrouver un peu dans un shop, mais sans thune. C'est pour ça qu'il faudra qu'on mette un module dans notre base. Alors, du zirconium, il y en a à gogo ici. Alors là, je vais mettre je vais pointer des gros. Ces petits trucs là. Qui sont déjà, ça veut dire là, il y a un auto mineur, mais on va pas sur la carte. Donc on peut remettre un gros dessus, mais je préfère mettre carrément des cristaux. Paf, comme ça, on sait direct où aller. Paf, voilà, après on peut les retirer, on peut les enlever. Là c'est du grand, c'est du grand. Et le zirconium, là on peut en avoir à bloc, hein. 4 sur 15, ouais, c'est sûr. Prométhium, cobalt, s'en fout ça, franchement on s'en fout. On pourrait presque même faire un saut sur la prochaine planète, avec le carbu qu'on a. Mais ce serait presque trop vite, je dirais. Mais bon, voilà, c'est les dernières ressources qu'on a besoin, c'est les zirconium et l'érythrium, et puis bon, y a pas de shop. Et autrement on va pas réussir à faire grand chose, donc on va peut-être faire un saut sur la prochaine. Choper un peu d'érythrium, on va le miner à la main parce que... Enfin, on va essayer de trouver déjà un gisement intéressant. Qu'on puisse un peu avancer quand même quelque chose, commencer à partir sur du gros vaisseau, puis aller faire ailleurs un peu plus sévère quoi. Qu'est-ce que vous en pensez les petits loups? Moi je crois que ça peut être intéressant, on va voir le Kirby qui nous reste. Brut. Du Kirby à ce qu'il faut. D'école, c'est pas la peine de rester plus. On fera de l'exploration plus soudain une autre fois. On recherche vraiment de ressources à fond. On met plein de gaz, puis sortir au moins notre mineur quoi. Puis après sortir le démolition. Moi, je trouvais pas de moins intéressant. Tant s'il existe déjà, donc mais démolition et blindé de canons. Et puis il nous faut ces ressources là pour ces canons quoi aussi. Il y a pas mal, ça, il faut du prométhium, c'est certain, mais il y a aussi pour certains armements, même certaines munitions d'armement, il nous faut de l'érythrium, des matériaux plus compliqués à trouver, hein. Plus compliqués à trouver. C'est pas compliqué, mais il faut faire de la route, quoi. Pour ça, là, l'avantage d'avoir des automineurs, comme ça, ça mine sans qu'on soit là. Bon, on va partir tout de suite sur le planète, on va voir sur quoi on va tomber. Allez, on y va. Et ben voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, il est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir ceux d'avance, les prochains, tous ceux qu'il y a, y compris les autres jeux bien entendu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, merci beaucoup. Et à plus. Tchou les amis, à la prochaine.